What actually comes out of my mouth is... I have the shiniest meat bicycle! Je recommence. Eh bien, bonjour à tous mes amis, c'est Craig. Votre épisode de Resident Evil Village, comme tous les jeudis, voilà, j'ai pas grand chose à dire. À part quand je reprends les vidéos comme avant, pour le moment, j'ai pas sûr que je garde le même rythme. Bon, sur ce, on est sur le point de commencer. Alors, c'est parti pour... Bah, c'est parti pour notre bon vieux Resident Evil Village qui est bientôt terminé. Fallout, l'histoire principale est terminée. Je vous réserve les DLC, les... Je vous réserve les DLC plus un petit mode horreur. Ok. D'accord. Téléphone qui se m'a sonné. L'épisode précédent, on avait eu l'espèce de... Ah non, si c'est ce que je crois. Non, s'il te plaît, me dis pas que je dors me... Quoi encore? Ah bah... Quel spectacle, Ethan. Bien joué. Pas la peine de te gâcher. Toi, je te jure que je vais t'avoir. Détends-toi! Encore un petit effort et c'est terminé. Je vais t'aider. Alors en échange? En échange, tu veux quoi? D'abord, viens me rejoindre. Mets tous les bocaux dans l'hôtel et je suis sûr que tu sauras quoi faire. À très vite, Ethan. Merde. Et c'est parti. Pourquoi je sais qu'il y a un bazar qui va surgir de l'eau. Je le sens. Écoute, verrouillé. Ok, voilà.
Faut qu'on atterrisse pile ici. Attends. C'est ça le fameux truc qui était H24 fermé? Eh ben. Oula. Oh non, non, non. Attends. Le pire, c'est que je vois pas. Hein. Oh putain, j'ai mis plus de lance-patate, c'est une blague. Ah, je le vois. Oh oh. Il allait me sauter dessus. T'es où? Je l'entends mais je le vois pas. Allez, hein. Le pire, c'est... Je le vois arriver, mais c'est une fois que j'ai le dos tourné. J'entends respirer. Hein. Je t'entends. Quoi? Oh là là. Oh
purée, il m'a fait peur, cet enculé. C'est quoi? Je crois que j'allais à l'église. Faire mon pas sauvegarde. Après, je vais en mode bourrin sur sa tronche. Oh mon dieu. Punaise. Je vais me faire éclater, je le sens. Même que 10 minutes que je tourne et j'ai déjà peur. C'est l'alpha celui-là. Bon, d'accord. Ah, c'est vrai que la maison, que sa baraque avait cramé. Tout début de l'histoire. Donc lui c'était ouais, bon, vu qu'on s'en est débarrassé, je pense que tous les autres en fait j'ai fait certains trucs sans même le savoir. Attends. Non, je me dirige pas vers le bon truc. Ouais, il y aura. Ah, tu sais quoi, c'est bon, je vais accrocher la serrure. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? Non, c'est pas par là que je dois aller. Ah, ça me saoule. Puis-je choisir quelque chose pour vous? Ne faites pas attention à moi. Comme toujours, une transaction honnête et équitable. Je peux modifier toutes sortes. Une bonne affaire, si je puis m'exprimer ainsi.
Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a un truc qui va mal se passer. D'accord, sympa l'ascenseur. T'inquiète pas pour la gamine, Ethan. Tout ira bien. Ah ! Allez, dépêche-toi de traverser le pont. Je sais pas pourquoi, mais je me sens je sens un sale coup. Ah ! Ethan Winters. Bienvenue. Je n'imaginais pas que tu survivrais à Donna et Moreau, mais je suppose que tu en as vu d'autres en Amérique, n'est-ce pas? Je t'aime bien. J'aimerais discuter avec toi de Rose et de Miranda. Allez, entre. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas un piège. Qu'est-ce que tu prépares? Ah ouais, non, c'est vrai. C'est là où t'as le Terminator. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Mia ? La vérité fait mal. Laisse-moi deviner. Tu comptes m'éliminer comme les autres ? Comme ça, tu pourras sauver Rose, c'est ça ? Je veux guérir ma fille. Écoute, tu es à côté de la plaque. Je suis en train de parler, là. Arrête-moi ce boucan ! Désolé. Assieds-toi. Écoute, Ethan, on te mène en bateau. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois que c'est un jeu? J'ai dit assis! La grognasse avec son gros cul. La folle avec sa poupée. Et ce monstre débile. Tu saisis pas. C'est un test. Pour voir si t'es assez fort pour rejoindre la famille de Miranda. J'ai aucune envie de faire partie de sa famille. J'étais comme toi, mais voilà. Et je suis le prochain, c'est ça? Tu me tues et tu prends ma place? Allez vous faire foutre! Et si tu savais comment je m'en tape de tes problèmes? Tout ce qui m'intéresse, c'est ma fille. Moi aussi. Tu as une idée du pouvoir que détient cette gamine? Même Miranda en a peur. Je te jure, du coup, c'est la dernière fois. Mmh.
toi et moi, Ethan. Ensemble, on sauve Rose et on l'utilise pour réduire Miranda en miettes. Ma fille n'est pas une arme. Va chier! Dernière chance. T'as pas envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou? Je prends le risque. Tu l'auras voulu. C'est quoi cet engin? Ah putain! Un cul-de-sac! Pas le choix! Je récupère un petit peu tout parce qu'on ne sait jamais. Et lui, il l'appelle Hugo. Putain. Putain, je suis où là? Il faut que je remonte. Zone safe. Faut sauvegarder. Bienvenue, bienvenue. J'ai sûrement quelque chose pour vous. Vous voulez acheter quelque chose? Ouais, je veux bien. Ça 180 000. Effectivement, c'est bel et bien 180 000. Ça, par contre... Quoi, je crois que j'ai m'acheté ce bazar. Excellent choix.
Merci pour cet achat. Si vous souhaitez améliorer vos armes, faites-le-moi savoir. Je suis plus habile de mes mains qu'on pourrait le croire. Bonne journée. Ok. Je sais pas pourquoi, mais je le sens mal derrière cette porte. Attends. Est-ce que j'ai des munitions pistolet? Ouais, c'est bon. Oh purée. Bon. Ah, je l'ai essayé. Ah oui, c'est bon quand même. Bon, je crois que tout ceci attendra l'épisode prochain. Mais ouais, malheureusement, c'est comme ça. Bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous, ça fait extrêmement plaisir. Et si on atteint les 50 abonnés avant Noël, je crois un petit truc sympa. Je vous dis...